Vous vous demandez. Français, les verbes pronominaux. Quatre groupes, les accords de leur participe passé. Quatre groupes de verbes pronominaux. 1. Les réfléchis, action faite sur soi, sur le sujet. Se maquiller. Elle se maquille. Se raser. Il se rase. 2. Les réciproques, action faite l'un sur l'autre. Se regarder. Il se regarde. Se fâcher. Il se fâche. 3. Les purement pronominaux n'existent qu'à la forme pronominale. S'exclamer. Il s'exclame. Se méfier de. Il se méfie du cadeau. 4. Les pronominaux au sens passif. Le sujet subit l'action, ne fait pas l'action. Se vendre. La maison s'est vendue. Se comprendre. La leçon se comprend bien. À quel groupe pronominal sont ces verbes? Je me brosse les dents. Réfléchis. Nous nous retrouvons. Réciproque. Vous vous souvenez. Pur pronominal. Ils s'en vont. Pur pronominal. Je me réveille. Réfléchis. Elle se moque. Pur pronominal. Il s'amuse. Réciproque. Comment se dit salut en tahitien? Sens passif. Tu te douches. Réfléchis. Il s'habitue. Réfléchis. Le thé se boit chaud. Sens passif. Je m'enfuis. Pur pronominal. Vous vous baladez. Pur pronominal. Il se désespère. Réfléchis. Elle se mouche. Réfléchis. Nous nous fuyons. Pur pronominal. Tu t'es évanoui. Réfléchis. Il se met en pyjama. Réfléchis. Cela se voit que c'est un bonhomme. Sens passif. Il s'aime. Réciproque. Elle se pèse. Réfléchis. Les toilettes se trouvent au fond. Sens passif. Se réveiller. Pronominal réfléchi, présent de l'indicatif. Je me réveille. Tu te réveilles. Il, elle, on se réveille. Nous, nous réveillons. Vous, vous réveillez. Il, elle, se réveille. À toi, conjugue. Se demander. Tu te demandes. S'endormir. Nous nous endormons. S'asseoir. Je m'assois, je m'assieds. S'habiller. Elle s'habille. Se comprendre et s'aimer. Ils, elles se comprennent et s'aiment. Se disputer, vous vous disputez. Le passé composé toujours avec l'auxiliaire être, se mettre. Pronominal réfléchi, réciproque. Je me suis mis, mise. Tu t'es mis, mise. Il, elle, on s'est mis, mise. Nous nous sommes mis, mises. Vous vous êtes mis, mises. Ils, elles se sont mis, mises. Accord du participe passé avec le sujet. Verbes toujours pronominaux n'existent pas autrement.
Nous nous sommes moqués de sa nouvelle coiffure. Se moquer s'accorde avec nous, le sujet, nous, égale plusieurs, moquer et s. Verbes pronominaux à sens passif, le sujet passif subit l'action. Cette tâche s'est enlevée à l'eau froide. S'enlever s'accorde avec le sujet, cette tâche. On peut changer cette phrase à la forme active, on a enlevé cette tâche à l'eau froide. Donc, enlever et e. À toi, mets les phrases au passé composé. Vous vous souvenez? Vous vous êtes souvenu. Ils s'en vont. Ils s'en sont allés. Elles se moquent. Elles se sont moquées. Le réveil s'entend fort. Le réveil s'est entendu fort. La tour se voit de loin. La tour s'est vue de loin. Vous vous baladez. Vous vous êtes baladé. Le thé se boit chaud. Le thé s'est bu chaud. Nous nous fions. Nous nous sommes fiés. Les toilettes se trouvent au fond. Les toilettes se sont trouvées. La maison s'envole. La maison s'est envolée. Les huîtres se dégustent avec du citron. Les huîtres se sont dégustées avec du citron. Ils s'obstinent. Ils se sont obstinés. Elle s'absente une semaine. Elle s'est absentée une semaine. La maison se vend bien. La maison s'est bien vendue. Vous vous évanouissez, vous vous êtes évanoui. Accord du participe passé avec le COD placé avant l'auxiliaire. Verbes pronominaux réciproques, ils se sont retrouvés en été. Ils ont retrouvé qui? Se, COD placé avant le verbe. Se égale il. Donc, retrouver et s. Verbes pronominaux réfléchis. Elle s'est douchée rapidement avant de sortir. Elle a douché qui? Elle a douché se, égale elle, elle-même, féminin singulier. Se, complément d'objet direct, placé avant le verbe doucher et e. À toi, mets les verbes au passé composé. Se demander. Tu t'es demandé. S'endormir. Nous nous sommes endormis. S'asseoir. Je me suis assis, assise. S'habiller. Elle s'est habillée. Se comprendre et s'aimer. Ils se sont compris et se sont aimés. Se disputer. Vous vous êtes disputés. Pas d'accord quand le COD est après le verbe ou s'il n'y a pas de COD. Ils se sont donné la main. Ils se sont donné quoi? La main. COD. COD après le verbe. Donc, donner et. Elle s'est brûlée le visage. Elle s'est brûlée quoi? Le visage. COD. COD après le verbe. Donc, brûler et. Ils se sont téléphonés ce midi. Ils ont téléphoné à qui? À eux-mêmes. C'est un complément d'objet indirect. Pas de COD. Donc, téléphoner et. À toi. Mets les phrases au passé composé. Je me soigne beaucoup. Je me suis beaucoup soignée. Elle se soigne le poignet. Elle s'est soignée le poignet. Ils se prennent pour un génie. Ils se sont pris pour un génie. Tu te prends le doigt dans la porte. Tu t'es pris le doigt dans la porte. Ils se présentent à l'examen. Ils se sont présentés à l'examen.
Ils se présentent leurs amis. Ils se sont présentés leurs amis. Nous nous demandons qui elle est. Nous nous sommes demandé qui elle est. Elle se sert de l'ordinateur. Elle s'est servie de l'ordinateur. Vous vous parlez le matin. Vous vous êtes parlé le matin. Ils se lavent les mains. Ils se sont lavés les mains. Ils se lavent de bonne heure. Ils se sont lavés de bonne heure. Je me maquille les yeux. Je me suis maquillé les yeux. Participe passé invariable qui ne change pas. Se plaire. Ils se sont plu. S'en prendre à. Ils s'en sont pris à. Se rendre compte d'eux. Ils se sont rendus compte. Se rire. Ils se sont ri. Se sourire. Ils se sont souri. Se déplaire. Ils se sont déplu. Se mentir. Ils se sont menti. Se convenir. Ils se sont convenus. Se ressembler. Ils se sont ressemblés. Se suffire. Ils se sont suffi. Une production de Kotoba, www.kotoba.ch, copyright Christine Finker.